Salut les amis, c'est du TM 482 sur une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va voir comment faire un overlay Clash of Clans. Premièrement, vous devez chercher Clash of Clans Overlay Template pour que vous preniez un style. Là maintenant, moi je vais prendre ce style là, je le trouve pas mal. Et il ne faut pas mettre tous les éléments, vous pouvez mettre d'autres choses de votre cerveau, éliminer d'autres choses. Ok, premièrement, moi, ce que je vais faire, je vais taper background Clash of Clans. Ok. Je vais chercher. Je vais prendre celui-là. Ok, celui-là, ça va. Ok, je vais mettre copier l'image et je vais la coller. Ok, c'est bon, là, comme vous voyez, je le centre. Maintenant, je vais faire un carré pour mettre l'écran du jeu. Et d'abord, je vais essayer d'éliminer ce Clash of Clans parce que ça va gêner s'il y a la moitié. Que je vais prendre l'outil correcteur. Ok, là qu'on voit ça donne pas beau, on va essayer de plus mettre pour que ça donne un truc. Ok, là comme ça c'est pas mal. Ok, maintenant on met le carré, ça va être ici. Je vais le mettre en vert pour pouvoir mettre son écran. Ok, là maintenant je vais mettre un écran de chat. Ok, parce que comme je vous ai dit, c'est un overlay pour un live. Ok, je vais le mettre aussi. Je vais le mettre en vert aussi. Que je crois que je vais essayer d'incruster un écran ici. Je vais voir celui là si ça va pas. Je vais prendre le même background mais je vais essayer de l'incruster ici. Non, ça va pas aller. Là je vais sur ce Louis, il a mis un écran noir. Ok, on va mettre un écran noir comme lui. Un écran dégradé, peut-être que ça va. Ok, là maintenant je vais encore une fois utiliser un carré, mais cette fois un rectangle arrondi. Je vais pas le mettre comme ça bien sûr. Je vais le mettre. Je réfléchis, je vais mettre qu'un écran noir ici et je vais ajouter un contour. Il sera blanc. Ok. Sa taille.
travail comme ça va bien. Ici, je vais ajouter un texte où je vais mettre live chat. On va travailler le texte après. Pour mettre les couleurs et d'autres choses. Là ici, je vais mettre des carrés qui vont être en blanc. C'est ici où on va mettre les personnages qu'il a en jeu. Je sais pas combien de personnages vous pouvez avoir, mais ok, je vais laisser comme ça. Normalement, on peut avoir combien? Là, je vais chercher le texte flash off. Non. Là, on va le prendre. Là, je vais prendre tout ça et le supprimer. Après, je vais ajouter des particules. Voilà, c'est ici. Superposition. Là, ça donne ici des effets qui sont sympas. Particules. Voilà. On va voir si ça donne quelque chose. Je vais prendre cette photo là, la mettre ici. Je vais la centrer d'abord. Ça va être comme ça donne un petit effet qui est sympa. Ok, et je vais laisser comme ça. Là maintenant, on va travailler le texte. On va mettre une ombre portée qui est blanche, une autre qui sera. Et je crois que comme ça c'est pas mal, ça donne un effet de rose. Après je vais mettre la couleur. J'essaie de mettre un dégradé. Mettre un dégradé entre le rouge et le jaune. Et ça donne ça.
pas trop joli. Je crois que je vais enlever le rouge pour mettre du bleu, parce que mettre le rouge en main de porte, ça donne pas que assez. Que je crois que c'est bon. C'est bon, je crois qu'on voit plus maintenant le texte. Et là, pour démettre du rouge. Et c'est bon. Et vous avez maintenant votre overlay. Voilà. Et on va essayer. On va l'enregistrer sous. Okay, on va ajouter un petit écran pour voir qu'est-ce que ça donne. Clash of Clans Game Play. On va prendre une petite photo. Après ça, j'ai pas mis les dimensions d'un overlay. Vous pouvez les mettre vous. Mais c'est qu'un tuto. Et voilà, c'est ce que ça donne. Voilà, ici il y aura le chat. Comme vous voyez, on a fini notre overlay. Voilà, c'est ce que ça donne. Vous pouvez voir ici à l'écran, parce que dans les logiciels de montage, vous devez avoir un écran qui est vert pour pouvoir incruster dedans. Ok. Ok les amis, on va rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Salut!